Salut à tous, c'est Fabkick. Donc les gars, aujourd'hui nous sommes bien le mardi 22 décembre. Donc comme vous le savez, les mardis c'est les promos de la semaine et ce qu'on a reçu. Donc les gars, déjà juste pour vous dire que les clubs de motards ne sont pas doublés. Là je viens de faire les faux papiers, regardez, 127 000 $. Donc je voulais commencer par ça. Ensuite, attendez que je finisse avant que j'ai pas une petite défense de marchandises. Logiquement non, mais bon, comme j'ai jamais de chance. Donc les gars, en fait, en club de motards, rien n'est doublé. Ce qui est doublé ou non, pas doublé en fait. Les véhicules de PDG, les haut de gamme on va dire, et ils ne sont pas à 100 000 $ à la revente. Si vous vendez un véhicule, c'est 150 000 $. Ensuite, les caisses, je ne pourrais pas vous dire puisque j'en ai pas beaucoup. Donc la somme, elle est un peu élevée, mais peut-être que c'est 2 millions comme d'habitude ou un peu plus. Donc ça, c'est à vérifier. Par contre, club de motards, comme je vous ai dit, ça reste normal. Ensuite, les gars, on va regarder. Moi, j'ai pas encore regardé, c'est les activités. Donc on va faire start, en ligne, activité, et on va regarder ce qui est en double RP aujourd'hui. Donc moi j'aimerais bien que ça soit les missions, c'est logique. Donc créé par Rockstar, guerre d'arène, donc c'est parti. Donc là, guerre d'arène, a priori y a rien, course au point, que dalle. Donc moi je voudrais bien que ça soit les missions. Wow, ça, franchement les gars, pour les débutants, ça serait votre semaine quoi. Donc là les courses casse-couilles a priori non, rien. Course. Donc a priori non. Faut être honnête. Pour l'instant y a rien. Peut-être le mode rivalité comme d'hab. Bon, en course, il n'y a rien. Affrontement. C'est pareil. Hein. En affrontement, il n'y a que dalle. Capture. Capture. C'est possible. Non. Extermination. Oh, ça serait cool que ça soit. Après, c'est les missions suspense. Attention, mission. C'est pas l'émission non plus. Donc les gars, cette semaine il n'y a pas encore l'émission qui sont en double RP malheureusement. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont foutu en double RP alors? Donc ça c'est quoi ça? Tous les versus. Ouais, que dalle, mode rivalité. Peut-être. Souvent c'est là-dedans. Mais bon, je sais pas. Ou la mise à jour elle est pas terminée parce que là a priori ah ça y est, donc convoi explosif sans double RP, donc déjà une chose. Donc je sais pas si c'est bien, j'ai jamais fait. Ensuite il y a marche forcée, donc qu'est-ce que c'est en double RP aussi, ça aussi je ne sais pas ce que c'est du tout. Moi, tout ce qui est activité, c'est pas mon délire. Mode rivalité, les gars. Donc, cette semaine, tout se passe encore dans le mode rivalité. Donc, ça fait 2. Bon, a priori, il y a peut-être que ça. Non? Voilà, mode rivalité, il y avait que ça, saut en parachute. Ça c'est triste. Par contre le dernier, il l'aurait en double RP, oui. Là je m'entraînerai. Et non. Donc comme vous avez pu voir, mode rivalité, voilà, c'est quoi? Ouais, mode rivalité les gars cette semaine. Donc pour l'instant, il n'y a que ça. Donc club de motards, moi je vous conseille PDG les véhicules pour les débutants les gars, 150 000 $ la haute gamme, en fait c'est 50% en plus j'imagine. Donc peut-être que les caisses à la place de 2 millions ça serait 3 millions, peut-être, attention. Et aussi les gars, maintenant on va regarder ce qu'on a reçu. Donc par contre je sais que mon personnage principal, le véhicule que je vais faire en customisation, je vais le faire avec mon personnage secondaire.
Donc les gars, on a reçu ce véhicule. Voilà. La Slagen GT. 1 300 000 dollars. Donc les stats, franchement, la traction là, à fond. Et les stats, elles sont nickel. Donc les gars, bah vous vous doutez bien que je vais en faire une customisation, mais avec mon second personnage. Donc les gars, bah ceux qui kiffent les promos, bah la vidéo après vous pourrez l'arrêter. Et pour ceux qui kiffent la customisation, bah ça sera pour vous. Donc les gars, on continue pour voir si on a des promos ou pas. Par contre, hier on avait encore un véhicule à 0$, ce véhicule. Donc moi j'en ai profité, je l'ai pris, la Vipid Click. Même si moi j'ai réussi à l'avoir à 0$ hier. Donc je sais pas si vous aussi, mais moi je l'ai eu. Ensuite, donc je descends. Donc les promos, celle-là. Ouais, bah ça, vous êtes habitué. Hein. C'est là 1,7 million à la place de 2 millions, pourquoi pas. Hein. La Turan, ouais. Ça, elle est pas mal, les gars. Si vous aimez bien la customisation, malgré que, voilà, 400 000, ouais, 500 000 en moins. Après, y a pas grand chose, hein. Y a ça, non, y a rien, y a plus rien, quoi. Bon, le principal, c'est déjà, on a reçu un véhicule et que les missions en PDG, du moins les véhicules et les caisses payent un peu plus. Donc ça, c'est déjà pas mal pour ceux qui, pour les débutants qui veulent se faire de l'argent. Donc ça, c'était Legendary. L'Arena, bon, j'ai regardé, c'est clair, y a rien du tout. Donc c'est pareil, hein. De toute façon quand il y aura quelque chose, on le verra là, hein. Ou il y aura un véhicule qui va changer. Donc là on peut même aller voir là, il n'y a rien du tout non plus. Donc ça c'est sûr que j'ai regardé dès que j'allume la console, là, ça c'est clair et net. Donc sous terme pareil, hein, y avait rien tout à l'heure, donc là non, c'est toujours celle-là. Donc les gars, bah si vous ne l'avez pas encore, n'oubliez pas qu'avec ce véhicule, vous pouvez faire du deux roues. Donc les gars, profitez-en. Donc ensuite, bah regardez en promo. Bah, y a pas grand chose. Bon, là, j'avoue, j'ai pas regardé. Hein, donc, a priori, y a pas grand chose. Ouais, y a même que dalle. Ouais, non. Donc, le véhicule de cette semaine, ouais, c'est plus Souterne. Bah, Souterne, pardon, Legendary. 1 300 000. Donc, les gars, vous vendez une éléguée rétro custom, une vente de cocaïne. Et ben vous achetez le véhicule pour ceux qui le veulent, bien sûr. Warstock. Par contre les appartements, vous le savez, c'est pas mon délire, ça je le laisse aux autres. Par contre il y a une belle promo sur, non pff, en fait comme je vous avais dit, vous rappelez-vous, remontez dans mes vidéos quand j'ai fait la présentation de ce véhicule et vous allez voir. Donc la promo c'est sur la Scramjet, le TM02. Il y a combien celui-là? De toute façon, sans moi perso, je m'en sers pas du tout. Donc voilà, c'est pas, faut pas sauter. Bah, après, faites comme vous voulez. C'est comme le Volatol. Il est bien, mais à voir. Après, à voler, c'est pas intéressant. Voilà, ça, ouais, pareil. Je sais même pas si j'ai tiré une fois avec. Mais ça fait stylé dans, voilà, dans le complexe. Et ensuite, si personnellement vous voulez faire les missions de PDG, bah, vous devez avoir ces véhicules-là pour ceux qui ne l'ont pas, qui ne les ont pas encore. Si vous n'avez pas les véhicules-là, bah, en session sur invitation, vous ne pouvez pas faire les missions là. Elles sont grisées. Et regardez, le pick-up à sergent, il est toujours à 0$. Ouais, donc bah, profitez-en si vous ne l'avez pas encore acheté. A priori, il est toujours à 0$. Donc ça, c'était Warstock. Les appartements, ça c'est pas mon délire, mais bon, allez, ça peut faire plaisir, pourquoi pas. Donc quand il n'y a pas de promo, bah là ça serait bien de faire le glitch des appartements. Mais bon, comme vous avez pu voir les gars, moi je vais essayer de le faire avec le train. Et si j'arrive à le passer, bah j'essaierai de vous le partager. Donc voilà les gars, bah moi je vous ai montré ce qu'on a reçu. Là ce que je vais faire, je vais changer de personnage. Je vais prendre mon second personnage puisque je n'ai pas l'arena avec. Et je ferai la customisation avec le second personnage. Donc les gars, à tout à l'heure.
Donc les gars, là moi j'ai perso, j'ai changé de personnage, puisque avec mon personnage principal, pour le peu de place qui me reste, bah, les véhicules qu'on reçoit, je préfère les mettre avec mon second personnage. Donc les gars, le véhicule, le voici. Donc le nom, j'avoue, j'ai pas tellement maté, donc on va re-re-regarder. Par contre, moi je la voyais pas comme ça, je la voyais plus longue. Donc c'est la Schlagen GT. Donc c'est le mot GT qui m'intrigue. Par contre, je la voyais plus longue que ça. Donc c'est parti. Donc je pourrais le faire dans cet atelier, mais... Ouais. Allez, vas-y, c'est pas grave. Je vais faire une couleur normale. C'est juste pour voir le délire du véhicule, puisque au LS Custom, on peut nacrer le mat, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est parti, les gars. Alors, le blindage. Comme d'hab. Frein. Comme d'hab, pare-choc avant. Ouais, bon là on a du choix. On a du choix, mais je vais rester quand même dans le délire là. Attends. Putain. Ah ouais, c'est chaud quand même. Séparateur, course, couleur 1. Couleur 2, ça serait pour le nacré. Là, je vois pas trop la différence séparateur. Moi, je vais mettre ça en fait. Non, le 2. Ouais, le 2, le 2, le 2. Pour faire avec le nacré, pour faire un bon petit relief. Donc, je pense que je vais mettre celui-là. Diffuseur secondaire. Ouais. Donc, ça, c'est fait. Châssis. Donc, c'est pareil. Ouais, franchement. Bon, 1 300 000, c'était un peu logique qu'il y avait quand même quelques bricoles à rajouter dessus. Hein. Donc là, pareil, je vais mettre couleur 2. Je vais essayer de faire un beau petit nacré pour voir si ça marche. Moteur, bah, faux. Échappement. Ah ouais, d'accord, sur les côtés. Ah ouais, regardez les gars. Ouais. Ah bah je mets le dernier, hein. Échappement, latéraux, compétition. Oh ouais, ça pète ça. Calandre. Ah c'est agressif, ça c'est nickel. Donc pareil, je vais mettre couleur 2. Donc je vais mettre le dernier. En plus franchement il est plutôt pas mal, faut être honnête. Le capot, je pense qu'il y a du choix. Bah ouais, il y a du choix. Donc là c'est pareil. Hein. Mais bon, c'est pas un véhicule qu'on peut dupliquer puisqu'il coûte 1 300 000 sans la customisation. Voilà, à la revente, moins 50%, ça fait quoi? Bah, 650 000 plus la customisation, allez, 750 000. Donc ça vaut pas le coup du tout de la dupliquer. Donc ce véhicule-là, c'est pour ça que je le prends avec mon personnage secondaire. Et c'est pour ça que je vais mettre ce capot prise d'air de rue puisqu'a priori, c'est le plus beau pour ma part. Donc le klaxon, bah là chacun il voit, chacun fait comme il veut. Hein. Hop ça. Éclairage, oui, xénon. Kit néon, bah comme d'hab, bah, au cas de quoi, faut on passe le rire. Merde, non c'est pas fini. Donc éclairage c'est fait. Les motifs, ouais, des motifs. Oh ouais. C'est pour ça que je voulais la faire au LS. Oh ouais. Bah ouais, mais fou. Ah, c'est pas mal ça, Carl Wick. C'est trop, ouais. T'aimes bien? Regarde, regarde là. Ah, ça pète ça. Je sais pas du tout en fait. Ouais, là, ça, là c'est un peu trop. Là, on pourra même pas mettre de peinture. Là, pareil. Là, c'est pas, bah, c'est pas mon délire. En fait, mon délire, c'est celui-là. Voilà. Tout simple. Mais bon, on verra à la fin avec les peintures. On verra par rapport à la peinture. Donc, rétroviseur, bah. Couleur 1. Plaque. Bon, moi, je mets la mienne, la noire. La peinture après, le toit. Bah franchement, il y a du choix. C'est vrai que le véhicule est assez cher, mais il y a du choix. Donc on peut pas se plaindre. Voilà. Toit, ouais, couleur.
Ouais, couleur 2 pour le nacré. Alors, bas de caisse. Ah, celui-là est pas mal, ouais. Je vais mettre couleur 2 aussi. Alors, comme vous avez pu voir, tout ce que j'ai mis, c'est en couleur 2. Donc, logiquement, j'espère que ça va le faire. Par contre, les ailerons, voilà, là, je suis un peu... Ouf. Oh, n'importe quoi, là. Pour faire du wing. Moi, à la rigueur, celui-là, pour faire rappeler la comète. Ouais, peut-être celui-là. Franchement, j'hésite même. Ouais, je vais mettre celui-là quand même, allez. Petit aileron, bah franchement, lol. Alors, par soleil, ouais, bah ça c'est le... Waouh. Ah ouais, c'est nickel, Benefactor. Suspension, on va la rabaisser. Transmission, on va le mettre à fond. Turbo à fond. Les roues à fond. Non, les roues, on va mettre... Je regarde ce qui pourrait lui aller en fait. Ah, moi j'aime bien les Lotspittin. Donc c'est dans les SUV. Donc les pneus apparence, oui. Amélioration, oui. Fumée, je sais pas encore. Donc les fenêtres comme d'hab, hein, limousine. Bah déjà rien comme ça, elle est pas mal. En plus on dirait qu'elle a des yeux, regardez. Bon allez, c'est parti, peinture. Donc couleur principale. Ouais, en plus il y a même finition. Il y a... Ouais, ça va, il y a pas mal de choix. Hein. Faut voir l'emblème, il met où? Bon, je mets l'emblème, on verra après. Couleur principale. Donc c'est parti. Par contre, là, avec mon personnage secondaire, évidemment, Jacques Anna. Allez, on va essayer de faire quelque chose de bien. Donc c'est parti. Je vais mettre terre de sienne en métallisé en couleur principale. Je vais regarder tout de suite la couleur secondaire parce que le jaune il m'énerve. Bon, par contre, en couleur secondaire, on peut mettre du mat. Puisque le mat, on peut pas le nacrer en secondaire. Par contre, quand on va mettre du nacré sur le principal, bah, le nacré ira sur le secondaire. Donc c'est plutôt pas mal. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah en fait, j'ai rien dit parce que putain, j'ai pas beaucoup de peinture. Je vais mettre du noir mat. Couleur définition. Bon, on verra avec le nacré. Donc peinture, couleur principale, nacré. Regardez, le nacré va sur le mat. Logiquement, on peut pas nacrer le secondaire. Bah là, si on met du mat en secondaire, là, on peut le nacrer avec la principale. Oh merde, j'ai des cadenas. Oh, quel con. Ah ouais. Dommage. Making decisions is stressful. Vous avez vu, je suis moins flashy qu'avant. J'ai changé en 2019. Regardez, elle est belle là.
Ça, c'est un peu connu. Malheureusement, on commence à les connaître, ces pâtures-là. Mais ça pète quand même. Et ça pète quand même, hein. Putain. On dirait pas rouge, on dirait pas orange. Franchement, c'est pas mal. Bah, je pense que je vais mettre. Bah, allez, rouge Torino. On va pas chipoter. Allez, hop, c'est fait. Donc, couleur finition, bah, bien sûr, je mets du rouge Torino. Donc, ça, c'est fait. Regardez, hop. Oh, quand même, elle est belle, hein. En fait, si j'avais pu aller dans l'arène, j'aurais mis les lumières. Voilà, il y a que ça que j'aurais pu faire. Et en fait, ça m'aurait gâché une place. Donc, c'est pas pour la customisation, hein, c'est pour le véhicule. Ça m'aurait pris une place. Comme le véhicule a 0 de large, je l'ai pris avec mon personnage principal. Bah là, faut que je l'écrase, évidemment. Donc, kit néo, couleur néo. Ouais, je vais mettre couleur crew. Et bah les rouges, je vais mettre pneus. Ah ouais, il y a encore les il y a les jantes encore. Donc c'est nickel. Franchement, c'est un bon petit véhicule. Moi, je kiffe. Couleur des jantes, parti. Je vais essayer de la laisser dans le sombre. Il n'y a que des codes notes. Attends, noir carbone, non noir. Rouge solaire saumon. Ivoire sombre. Bronze, peut-être bronze, c'est pas mal. Hein. Ça c'est terre sombre. Non, ah non c'est pas beau, non c'est pas beau. Non, je vais rester là-dessus. Ah ça c'est marron et en fait le véhicule il fait marron et ça fait pas du tout la même couleur. C'est ça qui est classe. Je vais mettre couleur ivoire sombre en fait. Bah non 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 non, cuivre sombre. Allez hop, ça c'est fait. Voilà les pneus, apparence des pneus, crew. Allez maintenant, logiquement il fait jour. Allez c'est parti. Bah je pense que j'ai fait un bon petit véhicule. Eh, j'ai oublié les motifs. Ah merde. Ça va, il fait jour. Bah il fait jour mais il n'y a pas de soleil. Attends. Ah ouais. Elle est belle, hein. Bon, 1 300 000. Alors on va aller voir ce qu'elle vaut. Je vais aller au LS mettre les motifs. Allez hop. Donc les gars, aujourd'hui, bah voilà ce qu'on a eu. Bah profitez-en, faites le PDG. Bah pour ceux qui veulent de l'argent, hein. Faites les caisses, les véhicules. Comme moi, je suis à 53% de mon entrepôt. Bah là, mon garçon va tout me vendre. Voilà, par exemple. Et comme ça, mon entrepôt sera 0%. Même si j'ai pas mal d'accidents, le but c'est de récupérer au moins 100 000 dollars. Donc là, sachant que c'est à 150 000 dollars, bah dites-vous que vous avez une belle marge de 50 000 dollars. Puisque d'habitude, c'est 100 000 dollars. Donc on n'a rien à perdre. Puisqu'on va jamais faire 50 000 dollars d'accident. Donc personnellement, bah pour les débutants, les gars, bah faites les véhicules. Si vous... Voilà quoi. Voilà pourquoi je voulais mettre ce motif. Allez hop, ça c'est fait. Donc franchement les gars, bah voilà, le véhicule coûte 1 300 000. Bon, je peux pas vendre, sinon je vous aurais montré le prix à la revente. Et là vous aurez compris pourquoi je duplique pas les véhicules de ce prix. Faut bien dupliquer les véhicules qui coûtent très cher, mais qu'une fois. Donc voilà les gars, bah franchement je vais aller la ranger parce qu'elle est magnifique. Et ensuite je vous laisse tranquille. Donc les gars, bah j'espère que... Wow, elle est belle quand même. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Bah, les petites news du mardi, par contre, voilà, je suis pas pro comme certains youtubeurs. Je fais à ma façon, voilà. Je fais comme
je vais sur le terrain et je regarde ce qu'il y a en double RP, double XP, et je vous le montre, bah, comme je vous le partage, comme je le vois. Donc je n'invente rien, je vais pas sur les sites Rockstar Club, je ne sais trop. Voilà, je vais sur aucun site, je vais sur GTA et je vous montre en temps réel. Donc maintenant, s'il y a eu des nouvelles mises à jour, je sais pas du tout. Par contre, le maillot, a priori, moi je suis connecté, bah, je me connecte au moins une fois par jour pour voir ce qui se passe. Mais le maillot qu'on devait avoir jusqu'au 21 janvier, a priori, je ne l'ai pas eu, puisque c'est pas marqué que j'ai débloqué un maillot. Mais enfin bref, c'est pas grave, le principal, c'est ça. Voilà pourquoi j'aime bien la montée dans le garage, puisque merde, d'habitude on voit les reflets. Bon, enfin c'est pas grave. Donc voilà les gars, bah, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Bah, n'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires si ce véhicule bah, vous a plu. Et bah, si vous perso vous allez l'acheter. Et voilà. Donc les gars, bah, sur ce, c'était FabKick sur GTA 5 Online en vous présentant bah, les news du mardi et puis ce qu'on a reçu aujourd'hui. Et peut-être que c'est pas encore fini. Donc en attendant, là il est 15h et voilà. Donc les gars, bah, passez une excellente fin d'après-midi, rentrez bien de l'école, faites bien vos devoirs, et pour ceux qui rentrent du taf, reposez-vous bien et jouez bien à GTA. Donc les gars, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi et à bientôt sur le jeu. Oh merde, j'ai oublié. Allez, ciao.